Bienvenue dans le 14e numéro d'Entrée de jeu, le magazine de Ludocorpus dédié à l'actualité scientifique sur le jeu et ses enjeux. Avant la pause estivale, nous retrouvons au menu de cette édition l'interview de Las López Fernández, psychologue et spécialiste des addictions comportementales liées au jeu. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. S'appuyant sur les savoir-faire de ses professionnels et de ceux du service d'addictologie du CHU de Nantes, l'Institut fédératif des addictions comportementales, ou IFAC, propose des formations pour les professionnels et futurs professionnels du domaine de l'addictologie. L'objectif de ces modules, former à la prévention, au diagnostic et à la prise en charge des pathologies se rapportant aux addictions comportementales. Parmi elles, citons les addictions aux jeux de hasard et d'argent, l'addiction aux jeux vidéo, les cyberdépendances, les addictions sexuelles ou encore les troubles du comportement alimentaire. C'est dans cette optique que l'IFAC vient d'annoncer l'ouverture de ses formations 2022, et ce, sur deux niveaux. La première consiste en une approche du jeu excessif et pathologique, et elle se déroulera les 28, 29 et 30 septembre. La seconde, de niveau 2, concerne quant à elle la prise en charge du jeu excessif et du jeu pathologique. Cette dernière se déroulera quant à elle les 1er et 2 décembre. La Fondation Benetton Studi Ricerche lance son appel à texte pour la 7e édition du prix Gaetano Cozzi, destiné à récompenser des essais sur l'histoire du jeu. Le prix consistera au versement de deux dotations, de 3000 euros chacune, réservées à de jeunes chercheurs de toutes les nationalités. Il sera décerné par le jury, composé des membres du comité scientifique de la revue Ludica. Les travaux candidats devront être envoyés au plus tard le 15 mars 2023. Il y a environ un an, nous recevions sur Ludocorpus Marilyn Tovar et Jean-Michel Coste, qui venaient alors de publier les résultats de l'enquête nationale Énigme sur les impacts des gains marquants chez les joueurs d'argent et de pur hasard. Durant l'année écoulée, les deux chercheurs, ainsi que Bernadetta Lelonek-Kuleta de l'université Jean-Paul II en Pologne, ont poursuivi leurs analyses. Ces dernières reposent sur l'impact des gains dits d'autrui sur les joueurs. Il s'agit par exemple de gains réalisés dans l'entourage du joueur, en point de vente ou bien valorisés par les publicités. La synthèse des résultats de cette enquête est disponible sur le Ludocorpus. Marie Redon est maîtresse de conférence HDR en géographie à l'université Sorbonne-Paris-Nord et Ababacar Fall est géographe et maître de conférence à l'école polytechnique de Thiès au Sénégal. Les deux chercheurs animeront un atelier lors des rencontres des études africaines qui auront lieu entre le 28 juin et le 1er juillet à l'université Toulouse 2. Cet atelier s'intitulera « Les jeux d'argent, circulation, asymétrie, appropriation ». Les inscriptions pour l'événement sont ouvertes jusqu'au 17 juin. Le colloque international Sport et loisirs transfrontaliers, actions publiques, pratiques et usages en Europe et dans le monde se déroulera à Pessac les 30 juin et 1er juillet prochains. L'événement, organisé par la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine Bordeaux, a pour objectif de dresser un état des lieux des recherches existantes sur les sports et les loisirs transfrontaliers au sein de l'Union européenne et plus largement dans d'autres régions du monde. Les inscriptions sont possibles jusqu'au 15 juin. Le 17 juin se déroulera à Montpellier une journée d'études intitulée « Rapport de force, de production et de genre dans l'industrie du jeu vidéo » et organisée par le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. Au cours de cette journée, 5 jeunes chercheurs et chercheuses en sciences sociales viendront présenter leurs travaux et s'attelleront à interroger le travail au sein de l'industrie française du jeu vidéo. Les problématiques liées au genre, aux conditions de travail et à la lutte syndicale seront ainsi scrutées à la lumière des sciences humaines et sociales. Nathan Ferret, doctorant en sociologie à l'IRIS EHESS, fait partie du comité d'organisation et nous en dit davantage. Bonjour Nathan Ferret.
Bonjour. Bienvenue sur Ludocorpus et dans notre émission, à nouveau dans notre émission d'entrée de jeu. Vous venez nous parler aujourd'hui d'une journée d'études qui va se dérouler le 17 juin prochain et dont vous êtes le co-organisateur. Pouvez-vous nous présenter cette journée? Oui, bah merci de m'accueillir. Je réalise avec d'autres jeunes chercheurs et chercheuses en sciences sociales une journée d'études qui porte sur le travail dans l'industrie française du jeu vidéo. Cette journée, elle est intitulée Rapport de force de production et de genre dans l'industrie du jeu vidéo, et elle se tiendra le 17 juin à Montpellier à la Halle Tropisme. Et donc le but, c'est de présenter des travaux interdisciplinaires de sociologie, de psychologie ou encore de sciences politiques, avec un angle critique sur l'activité de celles et ceux dont on parle encore relativement peu au final dans le champ des game studies, à savoir les producteurs et les productrices des jeux vidéo eux-mêmes. Il y a déjà eu des journées d'études dans le passé sur ces travailleurs et ces travailleuses. Je pense notamment à celle ayant eu lieu en 2019 dans le cadre du projet Tetris, qui était un projet intitulé Territoire et trajectoire professionnelle dans l'industrie du jeu vidéo. Mais la spécificité de cette journée d'études du 17 juin, c'est qu'elle se veut aussi un espace d'échange et de restitution de travaux scientifiques auprès des travailleurs et des travailleuses concernés. C'est intéressant parce que d'habitude, on peut difficilement restituer les analyses qu'on fait en tant que jeune chercheur ou chercheur auprès des enquêteurs eux-mêmes. Et ça va être intéressant du coup d'avoir leurs réactions, leurs contre-analyses, voire leurs éventuelles critiques sur les analyses qu'on va avoir produites. Et étant donné que la journée est aussi organisée par le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, c'est intéressant d'avoir un espace de discussion qui est à la frontière entre le champ scientifique et le champ militant. Et c'est cohérent avec la thématique et l'angle d'analyse qu'on veut essayer de développer, puisque on va essayer de développer une analyse de l'industrie qui ne soit pas uniquement centrée sur ce que fait le contenu créatif sur le processus de production, mais essayer de voir aussi comment ce processus de production est le produit de rapports de domination, de socialisation à l'auto-exploitation et de construction genrée. Ça risque d'être intéressant. Voilà, j'espère. Quelques noms d'intervenants que vous avez à nous soumettre, et puis peut-être vous allez intervenir sur quel sujet? Oui, donc la journée elle va se dérouler sur trois axes qui va permettre de balayer un peu tous les thèmes que j'ai énoncés. Il y aura donc trois axes. La première partie portera sur la syndicalisation des travailleurs et des travailleuses. Et j'interviendrai dans cet axe-là, ainsi qu'avec Chloé Lebas, qui est doctorante à l'Université de Lille et qui va porter une analyse comparatiste des spécificités des mobilisations collectives dans le secteur. Ensuite, on abordera les conditions de travail en studio. Dans ce cadre, il y aura Solène Bouloc, d'abord, qui est étudiante en Master 2 en psychologie du travail et ergonomie à l'Université de Grenoble, et qui va nous éclairer sur les risques socio-professionnels qui structurent l'industrie. Et il y aura également Sophie Elégouache, qui est doctorante en sociologie à l'Université de Bretagne, et qui s'intéressera aux tenants et aux aboutissants de l'appel récurrent à la passion pour le travail dans l'industrie. Et enfin, Hugo Trélis, qui est non seulement doctorant en communication à l'UQAM, mais qui est aussi game designer chez Ubisoft, donc c'est intéressant cette double casquette, qui nous montrera que le travail de production de jeux vidéo est aussi une activité genrée. C'est pas qu'une activité de production, c'est aussi une activité qui reconduit les constructions masculinistes, notamment au travers des appels au crunch, c'est-à-dire à la production soutenue, au don de soi dans le travail, etc. Et quant à moi, je porterai une communication qui s'intitule le STJV, le syndicat des travailleurs et des travailleuses du jeu vidéo, comme produit des contradictions de l'industrie, où je vais essayer de montrer que c'est une industrie qui est hautement paradoxale, parce que d'un côté, elle socialise professionnellement des individus à avoir beaucoup de capitaux et beaucoup de capacités de mise en réseau, d'autonomie, à être capable de
produire du travail hautement spécialisé, mais qu'en même temps, pour tout un tas de raisons, le management dans l'industrie, qui est une industrie encore malgré tout jeune, fait un petit peu n'importe quoi avec ses travailleurs. Et je vais essayer de montrer que le STJV, dans ce cas, c'est un peu un effet Frankenstein, où une industrie accouche de travailleurs qui sont à la pointe de capacités syndicales assez inédites. Et je vais essayer aussi, à une échelle individuelle, de montrer que l'engagement au STJV pour tout un tas de personnes fondateurs du STJV, c'est aussi un moyen de rendre cohérents des parcours qui peuvent être marqués par une socialisation familiale assez marquée à gauche et qui se retrouvent dans une industrie où ils sont placés en quelque sorte comme les gagnants d'une certaine mondialisation, comme à l'avant-garde d'une industrie créative, etc. Et leur engagement syndical permet, dans bien des cas, de synthétiser des dispositions et des socialisations qui peuvent être divergentes. Et donc c'est intéressant de voir ce double jeu de contradictions à l'échelle individuelle et de l'industrie. Voilà. J'espère que ça va être intéressant. Il n'y a aucun doute sur l'intérêt et la richesse des débats et des communications. On rappelle aussi que l'événement va être diffusé en direct, en plus du présentiel, sur la chaîne Twitch du syndicat. Une dernière question, Nathan, sur vous êtes doctorant donc à l'heure actuelle, vous revenez de mission. Quelle est votre actualité scientifique ? Oui, je reviens d'un séjour de recherche aux États-Unis. Et je suis en train de terminer mon terrain de thèse par l'analyse qui a pris plus de temps que prévu, l'analyse de la base de l'enquête Covidéo, pour laquelle j'avais été déjà interviewé ici. Et je prévois notamment une seconde vague d'entretien avec des usagers de la plateforme un an après la fin de la crise sanitaire pour voir les changements durables qu'elle a pu induire. Et voilà, c'est mes principales actualités. Écoutez, merci. Une prochaine occasion alors de vous recevoir à nouveau sur notre chaîne pour nous parler davantage de vos travaux et des résultats. Merci encore et à très bientôt, Nathan. Merci à vous. Au revoir. À suivre, ne manquez pas pour la seconde partie de l'émission l'interview d'Olas López-Fernández. Cliquez sur la zone dédiée ou dans la description pour y accéder.